Voici quelques comparaisons entre la mécanique et l'électromagnétisme. La loi universelle de gravitation de Newton rappelle fortement la loi de Coulomb. Ici, deux masses s'attirent et on calcule l'intensité de cette force comme ceci. Et dans ce cas-là, ces deux charges électriques s'attirent aussi. Et on calcule l'intensité de ces forces d'attraction comme ceci. Les deux formules se ressemblent très fort. Un champ gravitationnel, comme ceci, ressemble fort à un champ électrique d'une charge négative. Ici, les masses sont attirées par cette masse centrale, et ici, les charges électriques positives sont attirés par cette charge négative. Les lignes d'un champ gravitationnel relatif à une petite surface peuvent être considérées comme parallèles, et ce champ gravitationnel ressemble alors très fort au champ magnétique à l'intérieur d'un aimant en nu.